d'abord, je vous remercie d'être là. Et j'ai particulièrement apprécié la publicité à la télé de votre institut, là où vous proposez un contrat unique de travail. C'est pour moi, donc c'est bien quand même. Oui, c'était très apprécié. Et en fait, j'ai une question par rapport à l'égalité telle que vous l'avez présentée dans le livre. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les égalités que vous proposez dans le livre, à savoir entre les femmes et les hommes, entre les minorités visibles, etc. Et la conception, j'ai l'impression qu'il y a une conception de l'égalitarisme dans notre société qui touche uniquement l'égalité salariale, les revenus. Et j'ai l'impression que tout le monde pense, en tout cas les gens de gauche, si ce n'est pas toute la société, parce que j'ai l'impression que tout le monde est de gauche dans le pays, qu'en fait, en réalité, l'égalité sera assurée seulement si on est tous pareils. Alors que c'est en réalité très injuste, parce qu'on ne peut pas payer un chirurgien le même salaire qu'un éboueur. Ce n'est pas juste. Donc, à mon avis, la meilleure piste pour notre société, ce serait de... les valeurs de travail, la croissance, le productivisme, l'excellence, tous ces mots-là que vous avez prononcés, c'est des gros mots. C'est des mots de droite. Vous pouvez pas vraiment librement parler avec les gens quand vous dites il nous faut la croissance. Monsieur Mélenchon a dit il y a deux jours, je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit exactement, mais il a dit dans une vidéo sur Internet que la croissance n'était pas sa priorité. Pour lui, il fallait juste partager ce qu'il y a comme travail et que ce n'était même pas la peine de chercher la croissance parce que ce ne serait pas écologique. Donc, à mon avis, votre conception de l'égalité est la bonne. Mais comment faire pour la propager dans la société pour pas qu'on s'arrête uniquement sur l'égalité salariale? C'est bien le problème. Alors sur l'égalité, oui, je ne sais plus qui a dit, je crois que c'était Fauvet qui disait « La France est une URSS qui aurait réussi ». Il y a une vision très soviétique en France, hein, et c'est vrai que je crois que beaucoup de gens seraient d'accord pour être un peu plus pauvres à condition que personne ne soit plus riche. C'est très curieux, c'est à peu près unique au monde, mais je pense que c'est très vivace en France. C'est-à-dire que c'est en soi un objectif que de ne pas avoir trop de gens trop plus riches que vous. Un objectif inconscient, un objectif qu'on ne va pas faire advenir en faisant la révolution forcément dans la minute, mais c'est vraiment tripal. Les Français disent... Ça va pas s'il y a des gens beaucoup plus riches que moi. Après, ils vont pas chercher pourquoi, ni comment, etc. Alors, autre truc intéressant sur la France, quand vous regardez, après redistribution, la France est un des rares pays où les inégalités n'ont pas ou très peu augmenté au cours des 20 ou 30 dernières années. On parle tous les jours des trois patrons du CAC, etc., mais c'est epsilon, hein, enfin c'est non représentatif. C'est d'ailleurs d'autant plus contrariant qu'ils fassent la bêtise de se payer inutilement beaucoup, pour être très honnête. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'ils gagnent très bien leur vie. Quand vous regardez la sociologie des conseils d'administration, vous voyez bien que c'est quand même pas un combat de titan que d'obtenir une augmentation de ses amis qu'on augmentera au prochain conseil de sa propre voix. Donc il y a quand même un problème d'endogamie qui jette un petit discrédit sur le caractère mérité ou non. Mais je suis contre le fait de rentrer dans ce débat parce que le concessionnaire Mercedes, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus ridicule que de rouler dans une grosse voiture allemande voyante, mais c'est mon goût personnel. Le concessionnaire Mercedes du 15e se goinfre, et qui suis-je pour aller dire qu'il n'a pas d'utilité sociale? Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat. Il n'y a personne qui peut juger de l'utilité sociale de quiconque avec la moindre légitimité sérieuse. Donc chacun gagne ce qu'il veut et ça le regarde. Ça c'est les revenus primaires. Le truc, c'est que nous, en France, on a énormément de redistribution et énormément d'impôts. Pas tout à fait sur le dernier 0,1%. On a un énorme sujet là-dessus, tous les scandales qui sont en fait l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a pas une inégalité criante en France, sauf sur ce tout petit dernier millime de revenus. Et quand vous regardez en fait au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce sont des pays pour qui j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'admiration, mais il y a quand même une vraie dérive des inégalités. Et vous avez des niveaux d'inégalité qui sont revenus au Royaume-Uni très près de ce qu'elles étaient dans les années 20-30. Et aux États-Unis, on en prend le chemin. Alors que dans les années 40 à 90, il y avait une constante réduction des inégalités. Alors ça dépend comment on les mesure. Les inégalités, c'est un sujet hyper tricky sur le plan scientifique, gorgé de connotations idéologiques, c'est super dur. Mais en gros, si vous retenez le rapport du premier au dernier décile, vous avez un accroissement des inégalités très considérable dans tout l'Occident qui tient largement à la mondialisation et à ce que je décrivais tout à l'heure. Pas en France. En tout cas, pas ou très peu après redistribution.
Donc les Français sont des hystériques des inégalités, ils en voient partout alors qu'il n'y en a pas tellement en France, et ils sont tellement déterminés à l'idée de l'égalité effective in fine, qu'effectivement ils préfèrent encore un monde où on gagne moins bien sa vie à un monde où il y a des inégalités de revenus. Il faut faire avec. Ça c'est vraiment, alors je ne sais pas dire d'où ça vient, mais je pense que c'est assez profondément ancré. Assez profondément ancré. Et ça c'est un vrai sujet pour les libéraux. Parce que les libéraux, enfin je crois comprendre, en tout cas mon libéralisme, c'est d'être extrêmement attaché à l'égalité des chances. C'est ce qui me rend d'ailleurs critiquable aux yeux de beaucoup de libéraux qui me dénoncent comme un odieux constructiviste, parce que je voudrais faire un certain nombre de choses qui fassent advenir vraiment une égalité effective. Donc je ne suis pas libéral au sens où je laisse tout le monde faire ce qu'il veut et je regarde le résultat et je m'en fiche, je ne suis pas comme ça. Je pense que le libéral sincère est libéral parce qu'il déteste la rente et le fait qu'on puisse accaparer des richesses au détriment des autres. Donc il faut une mobilité permanente, il faut que toute situation soit remise en cause par quelques challengers crédibles qui viennent sur le marché, que ce soit le marché politique, le marché des biens, le marché des services. Bon. Moi, ça, c'est ça mon libéralisme. Et comme je vois qu'en France, on n'y arrive pas, je suis favorable à un certain nombre de mesures qui permettraient de forcer en quelque sorte l'égalité des chances. C'est pour ça que je ne suis pas du tout hostile aux quotas, c'est pour ça que je ne suis pas du tout hostile aux déclaratifs sur les femmes, les minorités visibles, etc. Je fiche mon billet que sur toutes les affiches électorales, il y avait marqué en gros, vous savez, comme fumez-tu, ce parti présente 5% de femmes et 0,4% de minorités visibles aux élections, ça obligerait les gens à en tenir compte. C'est tout bête, hein, mais je pense que c'est pas là. Donc je suis effectivement constructiviste, et je ne suis pas anti-libéral, je ne suis pas libéral jusqu'au bout des ongles sur ces sujets-là. Et cependant, je pense que l'égalité des revenus in fine n'est pas un objectif légitime, ni même intéressant. Mais les Français pensent le contraire. Ils pensent que voilà, c'est affreux si les gens ne gagnent pas tous la même chose. Alors, faut pas rentrer dans le chirurgien et les boueurs, parce que là-dessus, il faut laisser jouer le marché, mais si vraiment vous me demandez moralement qu'il faut payer le plus, moi, quand j'étais journaliste, j'étais pas bien payé du tout, j'ai toujours été bien payé pour un journaliste, mais j'étais mal payé comme tous les journalistes. Et donc j'avais tendance à considérer que c'était pas bien, que c'était dommage, que c'était douloureux, puis surtout quand vous grandissez comme journaliste, vous connaissez de plus en plus de gens qui ont fait d'autres choix et qui gagnent beaucoup plus que vous. Mais quand même, au bout d'un moment, je me disais, t'es payé à écrire, à apprendre et à expliquer. Ce sont quand même, à mon avis, les trois trucs les moins chiants de l'existence. C'est assez miraculeux déjà de trouver quelqu'un qui me paye à faire ça. Donc en fait, le salaire psychologique, c'est quand même important. Et on ne peut pas vraiment dire, moi je passe mon temps à dire ça à mes enfants qui disent que pour certains, dans certaines circonstances, moi je vais faire un travail où je gagne bien ma vie. Je dis oui, c'est très bien, mais il vaut mieux faire un travail qui vous intéresse qu'un travail où on gagne bien sa vie. Et au total, sauf les gens qui sont sous la pression et qui n'ont pas le choix, on fait tous une espèce de deal, salaire psychologique plus salaire pécuniaire. Et honnêtement, le chirurgien a un salaire psychologique tel que je ne suis pas certain qu'il soit urgent de le payer beaucoup en salaire pécuniaire. Les boueurs ont un salaire psychologique assez faible. Bon, enfin, en tout cas, quand on rentre dans ces sujets-là, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est le marché qui doit y pourvoir, on peut trouver des arguments dans un sens et dans l'autre. Le sujet n'est pas de savoir s'il faut payer plus le chirurgien ou le boueur, le sujet est de savoir s'il faut absolument avoir l'obsession que le chirurgien doit gagner autant que les boueurs. C'était le cas dans le bloc de l'Est, ça n'a pas donné des résultats formidables, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que si on peut s'abstenir de rester dans cette obsession, ce sera bien, mais malheureusement, je crois que c'est un déterminant très fort de la culture politique française. Et c'est, encore une fois, c'est un obstacle très fort pour les libéraux. Parce que les gens, même s'ils n'ont pas de culture libérale, savent que le libéralisme n'est pas l'ennemi des inégalités pécuniaires. En tout cas, pas autant que les autres qui crient très fort que tout le monde devrait être payé pareil après impôt. Quand même, Mélenchon 100%. Au moins, on est arrivé au bout. C'est-à-dire que je ne vois pas bien comment on peut aller plus loin de 100%. Mais ils sont capables de le faire.